Bonjour et bienvenue dans ce 9e Kikadi quoi. Sujet du jour, les déboires judiciaires des élus socialistes. Lors de son fameux discours du Bourget, François Hollande condamnait toute forme de corruption. Présider la République, c'est d'être impitoyable à l'égard de la corruption et malheur aux élus qui y succomberont. Pourtant, pendant 11 ans, François Hollande a été premier secrétaire du PS et a fermé les yeux sur ce qu'il se passait dans plusieurs fédérations PS. Et à l'heure où Jean-Noël Guérini est mis en examen et risque de perdre son immunité parlementaire dans l'affaire des marchés publics présumés frauduleux des Bouches-du-Rhône, à l'heure où Gérard d'Allongeville, ancien maire des Nimbeaumont, est mis en examen pour détournement de fonds publics, le candidat socialiste semble avoir oublié ses beaux principes du Bourget en prenant bien garde de ne rien dire sur le sujet. François Hollande sait faire de beaux discours, mais lorsqu'il s'agit de passer des paroles aux actes, le capitaine déserte le bateau.